C'est le matin, second mois de confinement. Vite ma routine pour pas péter les plombs. Privilégié dans cette quarantaine, je reste chez moi, protégé des confits. Dans son bureau, vissé à son ordi, mon meilleur pote milite et sauve des vies. Moi, je prends mon crayon, les maisons d'édition n'ont qu'à bien se tenir. Je me voyais déjà dans l'après-confinement, dans un écolieu, un petit potager et de la connexion. Je me voyais déjà tel un bobo riche, télétravaillant, inventant des jeux et des fanfictions. C'était le plus beau des éco-villages, attirant les foules, tous les intellos, même le président. Un très bel exemple de transition chic, dont le modèle sera repris par tous les pays dans le vent. Mais en attendant, pour sûr, on file sur la toile. Les groupes militants, les geeks rageux cherchent des solutions. Car faut réfléchir au mieux aux futurs enjeux. Le monde de demain lutte sur le terrain des dominants. Interdépendance et vision systémique. On a des cerveaux, des publications et des cas cliniques. C'est peut-être le moment de rompre la chaîne du cycle mortifère, de prendre de l'élan, d'arrêter l'avion. Un être humain, ça évolue lentement, et un état, ça bougeote doucement. Sur tous les fronts, avec tous nos experts, est-ce que le monde fera un petit rebond? Faut-il attendre un autre feu de joie, des politiques aussi perdus que toi? Des manifs, des astuces, des révoltes, des tutos pourront peut-être toutes nous sortir de là. Je voyais déjà toutes les oppressions se casser la gueule, se ramasser sévère sur le béton. Le patriarcat explosé, détruit, plein d'étoiles filantes, convergence des luttes toutes mobilisées. Et en attendant, les matins au réveil, y a plus de farine, y a plus de voitures, y a plus de pollution. Les introvertis et autres spécimens savourent doucement le calme des cités, le ciel dégagé. Des gens continuent de se battre pour sauver la nation. D'autres se prennent des claques, sont tabassés dans une violence sans nom. D'autres récoltent des rêves, des cauchemars confinés. Toi tu fais ta thèse, toi t'es à la caisse, toi t'es en HP. L'ère des neurosciences et de l'empathie débarque à grande pompe sur tous les médias, nos imageries. On se voit déjà dans un monde inclusif, et un jour viendra, on célébrera le mariage à trois.